Pierre, le CSBJ affronte le Loup jeudi soir à Agen. C'est le match le plus prestigieux, peut-être pour vous, le plus excitant à jouer de la saison. Ouais, bah ouais, c'est le derby. C'est le derby, c'est ce qu'on attend depuis le début de l'année. Quand est-ce qu'on va recevoir Lyon? Là, il y a beaucoup de rivalité entre les deux clubs. Et du coup, on est vraiment impatient de le jouer. Quoi. Pour vous, c'est particulier. Vous êtes originaire de Saint-Genis-Laval. Vous avez joué au Loup chez les jeunes, maintenant au CSBJ. Alors, vous vous sentez plutôt lyonnais ou plutôt bergalien? Ah, bergalien, bien sûr. Ouais, c'est vrai que j'ai commencé à jouer pro au Loup. Et après, ben voilà, comme tout joueur, la carrière fait qu'il faut un peu s'envoler. Et puis, je préfère l'esprit largement bergalien, les valeurs bergaliennes et puis l'équipe, quoi, voilà, et le public surtout. Vous en avez déjà joué quelques-uns des CSB Gilou ces dernières années, sous le maillot Ciel et Grenade. Est-ce qu'il y en a un qui vous revient en tête tout de suite? Bien sûr, s'il y a 2 ans où on gagne ici devant 12 000 personnes, je pense que c'est pour ça qu'on joue au rugby, quoi. C'est pour des matchs comme ça, avec la ferveur du public, de la ville même. Parce qu'on entend parler pendant, ça fait encore, je sais pas, un an qu'on entend parler de... Un an après, on entend parler encore de ce match-là. Donc bien sûr, ouais, c'est ce derby-là où on avait gagné à la dernière minute d'une transformation de Jérémy Gondrin. J'espère qu'il la loupera demain. Et puis voilà. Bon, vous n'avez pas parlé du match aller que les Lyonnais avaient remporté au Matmut Stadium. Cette année, ils ont presque tout gagné. C'est une équipe qui inspire le respect, qui fait peur peut-être. Ouais, bien sûr qu'elle fait peur. Elle est première. Elle domine toute la Pro D2 depuis le début. On nous a dominé au match aller. Je sais qu'on a fait quand même un bon match là-bas avec du combat. Mais je pense que demain, il ne faudra pas trop les regarder parce que sinon, on sait qu'ils vont mettre leur jeu en place et nous faire. On va les regarder et on va subir le match. Je pense qu'il ne faut pas se préoccuper d'eux et mettre les valeurs qu'il faut pour le remporter. Jeudi soir à Agen, vous jouez avec ce look-là pour surprendre les Lyonnais? Ouais, je pense. Avec le bonnet.